Salut à tous, c'est Rayek et c'est parti pour un nouvel épisode de Dragon Quest Builder tout en butant un saloperie de vautour. Alors, la suite. Ah oui, allez voir la plaque. Oui, parce que j'ai fait le montage entre deux. Ça m'a pris un peu de temps. Parce que vous avez vu, je vous ai fait des petites accélérations l'épisode précédent. J'ai trouvé ça marrant. C'est... Des fois, quand ça tapait très vite avec le marteau, là, pop, 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 c'était excellent. Allez. Tout le monde arrive. Je pense qu'il va falloir que je fasse des toilettes, là, parce qu'il y a Jérémy qui voulait y aller. Aldrin sent une puissante force émaner de la tablette. J'espère qu'on va pas laisser le château comme ça. Hein. Bon, Aldrin, je peux ressentir ton pouvoir créateur d'ici. Tu sais, il y a une chose à laquelle je pense depuis un certain temps. Alors voilà, à mon avis, tu es la meilleure bâtisseuse du monde entier. Quand je t'ai rencontré, tu n'étais qu'une simple petite apprentie. Mais maintenant, tu joues dans la cour des grands. Oh oh oh! Oui. Beau 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 travail, Aldrin. Désormais, les trois tablettes de pierre débordent du pouvoir de la création, oui. Ainsi, les rêves et les espoirs du bâtisseur légendaire ont été réalisés et apprennent l'île de leur puissance. J'ai une dernière tâche à te confier, jeune bâtisseuse. Retrouve-moi au Tata-Temple quand tu seras prête et viens seule. Eh ouais, les gars. Eldrin, nous, les Ruisseluniens, allons nous installer ici, cet endroit de Moussier. Si vous souhaitez aller rejoindre l'ermite sans plus attendre, vous avez ma bénédiction. Vous pouvez aussi rester un peu plus longtemps pour exercer vos talents de bâtisseuse. C'est à vous de décider. Je souhaite simplement que vous puissiez construire tout votre soul pour que cette île devienne un paradis sur Terre. Ok. Alors, plusieurs objectifs à Dex se matérialisent sur la tablette. Tiens, on va les regarder. L'ermite Polly t'a demandé de te rendre seul au temple. Moi, je vais rester ici alors. Tu peux rester un peu plus longtemps avec moi si tu veux. Va le voir quand tu seras prête, mais inutile de te presser. C'est pour dire que ça va faire le final. Alors, de nos objectifs se matérialisent sur la tablette. Construisez plein de salles différentes. Faut en faire 30. Là, on sait pas, on sait pas, on sait pas. Construisez une station thermale. Oui, deux en plus. Faites une immense plaine enneigée. Ouais, ça c'est plutôt facile à faire. On va pouvoir le faire facile, je pense. Construisez de grands marais empoisonnés. What? Utilisez tout type de couleurs. Ouais. Devenez amis avec plein de monstres différents. Ah, va falloir utiliser les monstres au bec. On sait pas. Recruter plus de résidents. Ah oui, d'accord, il en faut un paquet quand même. Préparez plein de plats différents. Obtenez tous les types d'animaux. Ouais. Non. Ok, d'accord. Alors je sais pas si c'est commun aux trois, mais bon. Allez, c'est parti, on va aller dire bonjour à notre ami l'ermite, hein, il nous demande. C'est parti. Alors. Non, il a mis les médailles, c'est bon. Oh oh oh, maintenant que les objectifs de la tablette bleue sont tous été accomplis, l'île entière est imprégnée du pouvoir de la création. Et ce n'est pas tout, ma petite. De nombreux souvenirs me sont revenus, oui. Je te remercie d'avoir accédé à toutes mes requêtes jusqu'à présent. Tu as bien mérité une explication. Et les habitants de l'île vont devoir se concerter et décider ensemble de la suite. Enfin, tout cela peut attendre. Avant tout, tu vas devoir apporter la touche finale au développement de l'île. Il ne te reste plus qu'une chose à construire. Je te raconterai tout une fois que tu auras terminé. J'espère que tu n'as rien de prévu, parce que ça devrait nous prendre plusieurs jours, oui. Oui. Alors, c'est parti. Bravo Eldrin, le pouvoir de la création est enfin revenu sur l'île de l'éveil. Je suis vraiment fier de toi. Le travail d'une bâtisseuse n'est jamais terminé. Il y a toujours une nouvelle tâche à accomplir. Mais parfois, il est bon de savoir s'arrêter pour contempler son travail. Le moment est presque venu pour toi de poser tes outils. L'île est en plein essor. Le pouvoir de la création bouillonne en son sein. Il ne nous manque qu'une chose. L'étendard du bâtisseur. Suis-moi, je t'expliquerai ça là-haut. Oui. Ok. C'est bien, moi je pouvais pas passer. Oui. J'adore comment il se déplace. Tup. Oui, tu vas y arriver? C'est bon? Tu y arrives? Ouais. Ok. Oula. Pourquoi tu es là? D'accord. Cette île a besoin d'un étendard du bâtisseur, un drapeau qui désignera cet endroit comme le paradis des bâtisseurs du monde entier.
En tant que bâtisseuse en résidence, c'est à toi de décider de l'apparence de cet emblème. Il te suffit de remplir ce carré de blocs colorés et ton dessin paraîtra sur l'étendard. Souviens-toi que l'étendard du bâtisseur est un drapeau représentant notre île. Non, le monde entier. Fais en sorte qu'il attire l'œil. Tiens, j'en aurai besoin. Qu'est-ce qu'il me donne ? Obtiens la roue des roues à couleurs. Des blocs de créer. D'accord. Faut que je dessine un truc, mais je suis nul. Construis des blocs de couleurs avec la roue à couleurs et place-les dans ce carré pour créer ton motif. Le nord correspond à la partie supérieure de l'étendard. Si tu n'es pas satisfait du résultat, inutile de te faire du mauvais sang. Tu pourras toujours le modifier plus tard. Et si tu es en panne d'inspiration, ne t'en fais pas non plus. J'ai justement un exemple sous la main. Veux-tu le voir ? Oui. Avec plaisir, voici le motif que j'ai créé. Joli, n'est-ce pas ? Oui, c'est un marteau. Je pense qu'on va partir sur ça parce que je suis vraiment mauvais pour le dessin. On verra, on décidera peut-être si quelqu'un sur le Discord a une idée. On fera regarder le nombre de blocs sur blocs. Si quelqu'un me fait un dessin qui me plaît sur le Discord, eh ben je le ferai à la place. Voilà. Bon, il n'y a qu'un niveau, hein. Oui, voilà. Ok. Tu peux suivre ce plan à la lettre si tu le souhaites, ou créer toi-même le dessin qui apparaîtra sur l'étendard du bâtisseur. Alors, rejoignez le sommet de la montagne de l'île de l'éveil pour utiliser les blocs de couleurs et concevoir votre propre drapeau. Vous aurez droit à une surprise si vous le faites. Ok, ben on va le faire. Donc, je pense qu'il faut casser... Ah, il y a des blocs à péter, c'est ça ? Non. C'est la distance. Donc il y a combien ? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc je pense que ça doit être 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc c'est 16 par 16. Donc si quelqu'un a une idée, voilà. Mais sinon là je vais faire le truc de base qu'il me propose. Et ben, je le ferai sur un des épisodes. Je ferai celui qui me plaît, donc vous aurez une bonne semaine pour me faire un petit truc. Donc voilà, et me mettre ça sur le Discord. Donc déjà, je pense qu'on va tout remplir de carrés. Et je pense qu'on change les couleurs après, c'est ça ? Ah non, on fait les... D'accord. Pardon, ok. C'est la roue à couleurs. D'accord, donc je vais poser ma petite roue à couleurs par là. Voilà. Et donc, alors, je me souviens plus, ça y est, poisson rouge. Il me faut 84 pourpres. Allez hop. Donc, pourpre, ça c'est quoi ? Bloc pourpre, 80... Ah ben, il me le dit en plus. Donc, 80... Non, là, c'est un petit peu beaucoup, là. On les fait par combien ? Ah non, on les fait par 30. Ok, donc 3, c'est bon. Avant de continuer, on va faire vire, manger. Voilà, ça fait de la place. Après, il faut prendre comme ça. Parfait. 42. Yo. 116. Pourquoi pas ? Et celui-là, ok. Farpé, bon, alors. Les blocs verts, il y a tout en bas. Ah, il semblerait que sur les coins... Il y a quoi sur les coins ? C'est 4 blocs rouges. D'accord, bon, déjà on peut placer les blocs rouges. Ça va pas être très dur. Hein, bloc rouge, voilà, bloc rouge, petit bloc rouge, et par ici. Ça veut dire qu'on a fait tous ces blocs rouges pour rien en fait. D'accord, donc il n'y en a plus besoin de plus. Après, il y a les blocs verts, ça les blocs verts, il y en a 1000 à mettre. Mais je pense que le mieux c'est de mettre les blocs neige. Donc ils disent que le nord c'est le haut. Donc si je regarde bien par rapport aux blocs rouges... C'est décalé et on faudra 1, 2. C'est décalé de 1.
Donc c'est décalé de 1 et ça va être là. Je pense que c'est tout. Ouais, voilà, c'est ça. Oups. Ça, c'est sympa pour pouvoir faire des petits trucs ou autres. Après, les autres, c'est pareil, mais sauf que il y en a deux de moins. Voilà. Ça, c'est fait. Après, les blocs noirs, ça va 1, 2 par en bas. Ah non, ça c'est les blocs noirs. Ça c'est quoi? C'est les blocs pourpres. Donc on va plutôt faire les blocs pourpres. Donc 1, 2. Ok, j'ai vu. Donc déjà il y en aura un là. Loupé, un là. Là ici c'est tout le long. Voilà. Après, je suppose que par rapport au milieu, le bloc noir va être là. Loupé. Non plus. Non plus. Oh. Alors, c'est pas un bloc noir? Si, pourtant. Ah, je suis un cran trop haut, en fait. Non. Non plus. Il est là. Ok. Voilà, donc... Et après, il faut tout remplir. Voilà, on a fait tout ça, après, tout le reste c'est du noir. Ok. Et après, c'est les blocs blancs, c'est ça? Non, c'est les blocs pourpres. On va jusqu'en bas, presque en bas, à un cran près. Voilà. Et normalement, ça va être que du vert après. Parce qu'on a tout placé. Voilà, il ne reste plus que les blocs verts à mettre sur tout le reste. Ok, c'est parti. Les messieurs, là, du bloc vert à placer. Hop là. OK. Et voilà, le petit emblème qui est terminé.
Alors. Oh oh oh, tu as terminé l'emblème de l'étendard du bâtisseur, n'est-ce pas? Pas mal, pas mal du tout. Souhaites-tu le transférer sur l'étendard? On va faire oui, hein. Pour le moment. Oh oh oh, excellente nouvelle, oui. Alors transférons-le sur l'étendard et ils sont le nouveau drapeau du PPPI des bâtisseurs. Ok, d'accord. On a un petit étendard, voilà. Hop, on va pouvoir ranger tout ça. Si le jeu veut bien me laisser les ranger, voilà. Oh oh oh, beau travail, Eldrin. Quel merveilleux emblème. Il ne nous reste plus qu'à planter cet étendard, bien en évidence. Une fois que tu auras accompli cette tâche, ton royaume sera bel et bien terminé. Je connais le parfait endroit. Oui, alors je vais récupérer le truc à couleur. Quoique je peux le laisser là, puisque ce sera pour fabriquer. Ou non, je vais peut-être l'embarquer. Ça sera mieux. Comme ça, je l'aurai si je veux faire des trucs ailleurs, même si je suis mauvais. Ah bon, c'est ici, tu es sûr? Non. De la gratitude de partout, là. Allez, allez. L'île de l'éveil devient le royaume d'Eldrin. Oui. Tout ça pour ça. Faudra réparer ce temple aussi, il est dégueulasse. Améliorer un peu. Hein. Tum, 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 tum. Alors, si vous continuez, il vous sera temporairement impossible de jouer en ligne, voyager vers d'autres îles ou d'échanger des mini-médailles. D'accord. C'est temporaire, donc ça veut dire qu'on pourra... Ok. Donc, souhaitez-vous continuer? Oui. On fera de la construction plus tard. J'espère que ce sera possible. Excellent travail, ma petite. L'étendard d'Aldrin est magnifique. Tout est en ordre à présent. Waouh! Où est-ce que tu as été déniché ce drapeau? Il est incroyable! Je sens le pouvoir de la création bouillonner en moi. Il faut absolument que je construise quelque chose. C'est tout à fait remarquable. Le pouvoir de la création aurait donc atteint son paroxysme sur l'île de l'éveil. Il en jette ce drapeau. Il représente parfaitement l'île d'Eldrin. En plus, notre île à tout, je veux dire. Tu assures raviver les braises du désir de création dans tous les cœurs et dire que je vais commencer à en avoir assez de construire. Inutile de le nier, Eldrin. Tu es la meilleure bâtisseuse du monde entier. Oui, c'est pas vrai. Il y a le fantôme en dessous, là-bas, là, qu'on voit. Qu'est-ce qui se passe, papa? Qui a éteint la lumière? Ah, Malroth, que t'arrive-t-il? Eldrin, quand est-ce que tu as fabriqué ce drapeau? Malroth, est-ce que ça va? Eldrin, je t'en prie, tu dois... Malroth? Terrassé par les descendants d'Eldric, le grand prêtre K.O. offrit son âme en sacrifice, désireux de faire renaître le seigneur Malroth. Et il va falloir encore attendre. Je comprends pas pourquoi ils ont laissé autant de temps entre les trucs. Je sommeille en lui depuis cet instant, en attente du moment propice. Et on attend, et on attend, et ça casse l'ambiance, tellement c'est long. C'est dommage. Sérieux, allez, s'il vous plaît. J'ai observé chacun de ses gestes et ceux de la bâtisseuse.
Alors, je sais pas s'il nous parle à nous. Ce monde n'était auparavant qu'une coquille vide, mais il déborde désormais du pouvoir de la création. Tout en place, l'éveil du grand Malroth est imminent. Nul ne peut échapper à son destin, ni les hommes, ni les monstres, pas même les dieux. Ainsi, le maître de la destruction anéantira le monde. Cette voix, c'est Chaos. Chaos? Mais il n'est pas censé être mort? C'est juste, dans le monde réel, c'est bien le cas, mais dans ce monde illusoire de ma création, je suis tout ce qu'il y a de plus vivant. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est évident, non, ce monde n'est qu'une illusion, un royaume factice dans lequel j'ai envoyé l'âme de Malroth après sa mort aux mains des descendants. Mais le moment est venu pour lui de s'éveiller. Malroth va enfin renaître en tant que maître de la destruction. Oula. Est-ce possible? Nos vies, nos rêves, ne sont-ils qu'illusions? Absolument, ce monde à l'origine devait servir à confondre les descendants d'Elric. Rien n'existe vraiment en ce lieu, ni l'herbe, ni la terre, pas même vous, misérable humain. Vous n'êtes que le produit de mon imagination. Bouillou, je crois pas. Ce rêve aurait dû disparaître avec moi, il y a pourtant perduré après ma mort, plus longuement que je ne l'aurais cru possible. Je trouvais étrange que les héritiers de Chaos n'aient rien perdu de leur puissance. Leur ordre aurait dû se désagréger sans personne à sa tête. Sauf qu'ici, Chaos n'est pas mort. Hélas, je n'ai pas eu cette chance dans le monde réel. Une poignée de misérables héros trouvèrent un moyen d'échapper à mon illusion avant de nous oxyre, Malroth et moi-même. Ici, mon esprit continue à vivre, de même que celui du Seigneur et Maître de la Destruction. Tout comme le pouvoir de la création, bien qu'il soit absolument inutile. Tu as appelé ce lieu le royaume d'Eldrin. Peu, le royaume du néant serait plus approprié. Et je suppose qu'il s'agit du drapeau de ce royaume, n'est-ce pas? Je n'ai jamais rien vu d'aussi répugnant. Regarde autour de toi, bâtisseuse. Ton rêve de rallier des individus à ta cause et de sauver le monde n'est qu'une chimère. Bon, j'en ai assez entendu. Rends-nous Malroth, espèce de grosse brute, et plus vite que ça. Qu'est-ce que tu comptes faire de lui, d'ailleurs? Malroth? C'est le grand Malroth, seigneur et maître de la destruction, misérable avorton. IDS, sauvez-nous. Prends ça, espèce de malabri. Il a son marteau, je paye. Ni? Moi, voici donc ce qu'est devenu le bâtisseur légendaire, un vieil ermite sénile, réduit à manipuler les humains pour arriver à ses fins. Disparaît. Non. Désolé, je hurle pas trop. Écoute-moi bien, misérable, à genoux devant votre créateur, implorez mon pardon et vous serez épargné. Le moment est venu. Lorsque le grand Malroth s'éveillera, il anéantira d'abord cette illusion avant d'aller détruire le monde réel. Moi, viens Malroth, quittons cet endroit. Tout puissant maître de la destruction revient parmi nous. Le monde doit être anéanti de ta main, telle est ta destinée. Excusez-moi, ça me fait prendre ce voix, ça me fait tousser. Qu'est-ce qu'on va faire, Eldrin? Pauvre Malroth, pauvre ennemi de poilu. Et là, Lulu, du calme, ce n'est pas ton genre de te laisser aller comme ça. Lorsque nous étions à Ruisse Lune, une rumeur m'est parvenue affirmant que ce monde n'était qu'un mensonge, une illusion. Je ne savais jusqu'alors qu'en penser. Si c'est vrai, on est quoi, nous, alors? Le fruit de l'émulation de Chaos? Je sais pas trop, je pense que pas être une illusion, ma foi. Mais c'est justement ce que je dirais une illusion, non? Nous ne disposons d'aucun moyen de prouver que notre réalité n'est rien de plus qu'un rêve, bien qu'il me coûte de l'admettre. Ouais, et alors, garde tes réflexions philatéliques pour plus tard. Le Tailleri a embarqué Malroth, faut qu'on aille le sauver. Mais mes brebis, si Chaos dit vrai et que Malroth est bel et bien le maître de la destruction...
Et alors, qu'est-ce que ça peut nous faire? Il me fiche de savoir si on est des illusions, des rêves ou quoi que ce soit d'autre, d'ailleurs. Je vais pas laisser cette grosse brute s'en tirer comme ça. Il débarque sur notre île, nous terrorise, se moque de l'étendard d'Eldrin, s'en prend à Malroth et à l'ermite poilu. Et on va rester les bras croisés? Bah, si cet horrible vaurien pense qu'on va se laisser faire, il va avoir la surprise de sa vie. Oula, hein? Qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose à l'endroit où apparaissait toujours l'ermite poilu? L'âme du bâtisseur. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, parlons à Lulu. Et je crois que ce sera pour le prochain épisode. Oui, c'est dégueulasse, hein. Mais je risque que ça risque d'être trop long. Donc je préfère arrêter là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc je rappelle, hein, pour l'étendard, si quelqu'un a une idée, donc c'est 16 carrés par 16 carrés. Qui mettent ça sur le Discord et puis je verrai et puis voilà, je choisirai parmi ceux qui m'ont fait un petit dessin s'il y en a et puis ben on se retrouvera voilà la prochaine fois, peut-être pas cet épisode là parce que je l'aurais sûrement tourné, enfin pas le prochain épisode parce que je l'aurais déjà tourné, mais on va dire un ou deux épisodes après si c'est possible, mais sinon on s'arrangera pour essayer de le faire. Voilà. Sur ce, merci à tous, j'espère que ça vous a plu. La cloche, le petit pouce up, l'abonnement, les commentaires et tout ce qui va bien. Le Discord, c'est dans... Aïe! Ils sont tous énervés là d'un coup. Donc le Discord, etc., tout est dans la description ou dans la description, oui, ou dans la bannière de la chaîne. Et puis on se retrouve bientôt. Allez, ciao, ciao!